Bienvenue, nous allons commencer. We are going to start. Thank you. We are going to start the next session. Comment ça va? Très bien. Ça bouge bien? Ça bouge. D'accord, c'est bien. Oui, on reste ici. Ça va bien. Bonne arrivée. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Oui. Bonjour, monsieur. Abdelkader Ziguem de l'AUF. Oui, oui. Oui, oui.
Il me semble, ça peut contenir tout le monde. Bonjour. Si je peux vous demander d'avancer, parce que je crois qu'on a. Vous avez remarqué que nous bénéficions de la meilleure salle. Hein? Et donc, il faut en profiter. Hein? Elle est ronde. Je crois qu'il faudrait que tout le monde puisse venir devant pour qu'on sente justement cette sorte de. De coziness. Enfin, je ne devrais pas parler anglais ici. S'il vous plaît. Voilà, donc on n'a pas beaucoup de temps, on a qu'une heure. Et nous avons, je dirais, une session très, très intéressante parce que nous allons parler de la francophonie et surtout des transformations numériques. Je suis Pierre Dandjinou, je suis le vice-président de ICANN. ICANN, pour ceux qui ne le connaissent pas, on coordonne, si vous voulez, les ressources de l'Internet, que ce soit un autre domaine, les adresses IP, et que nous sommes pour. Nous travaillons pour un Internet, n'est-ce pas, ouvert et un Internet sécurisé. Et moi, je m'occupe plus particulièrement du continent africain, comme les autres cinq vice-présidents régionaux de l'ICANN. Un plaisir d'être ici, mais aussi. En fait, dire que la session ici va nous permettre justement de connaître l'action, n'est-ce pas, de la francophonie en ce qui concerne les transformations numériques aujourd'hui. Nous avons un panel très, très important et je note aussi que nous avons réussi, n'est-ce pas, la parité dans ce panel-là. J'ai suivi beaucoup de panels depuis le début, depuis deux jours. Je n'ai pas vu cette parité-là. Donc, bravo à la francophonie. Ceci étant dit, ça va être très simple. Nous avons cinq panélistes. Nous allons justement écouter disons, l'administrateur de l'EIF, la personne de Mme Harry Andrea. Yeah, yeah. Sorry. Yeah. Yeah. Oh God, je m'excuse. Hein. Il fallait me donner les clés au départ. Donc voilà, nous allons l'écouter, nous avons l'honneur donc de l'écouter, nous transmettre certainement le message de l'Organisation internationale de la francophonie en général. Et ensuite, nous allons apprendre davantage sur les programmes, en ce qui concerne le numérique, les programmes de l'EIF, par Emmanuel Adjovi, qu'on ne présente plus, mais je crois qu'on pourra aussi faire d'autres présentations tout à l'heure. Ensuite, nous entendrons ce que fait la francophonie en matière de, en fait, ça va être Madame Nelly Porta, c'est ça?
Oui, vous m'excusez. Voilà, Donc, elle va nous parler un peu de ce que fait la francophonie en matière de langue française, n'est-ce pas? La diversité culturelle, une richesse. Et le professeur Abdelkader Ziguied nous parlera de l'action de l'Agence universitaire de la francophonie. Et nous terminerons par Madame Mireille Reza, qui nous vient, je ne sais plus, elle a dit beaucoup de pays là. Mais en tout cas, de l'Assemblée parlementaire francophone. Les uns et les autres se présenteront plus, parce que j'ai vraiment leur CV et autres là, mais je ne peux pas tout lire, sinon on ne pourra pas terminer. Voilà, et après, nous allons tout faire pour nous prendre quelques minutes pour quand même interagir et pour les questions-réponses. Nous avons une heure, comme j'ai dit. Je vais permettre à nos panélistes de prendre 5 à 7 minutes, donc pour que nous ayons la possibilité, pour une quinzaine de minutes, n'est-ce pas, de faire des commentaires ou des questions et réponses. Je vais vous épargner de mon petit laïus pour le départ, mais ce que je voulais dire juste à l'entame, c'est que j'ai apprécié lors de l'ouverture ce que disait le président de la République française, Macron, quand il dit qu'il nous faut agir dans l'environnement du numérique pour préserver la diversité. J'ai aimé ça. Donc, en fait, il y a des actions à mener si l'on veut préserver cette diversité-là. Et Dieu sait que c'est quand même assez porteur, la diversité de richesses. On apprend aussi que le numérique peut être aussi le moteur de la diversité. Donc, autant de choses qui doivent nous laisser réfléchir, mais surtout agir. Donc, avec ces mots-là, je voudrais rajouter le mot-clé solidarité aussi. Je crois que c'est très important. Si nous parlons de transformation numérique, si nous parlons, n'est-ce pas, de diversité, je crois que la solidarité porte beaucoup. Donc, avec tout ceci, je vais laisser la parole donc, à Madame Mia pour l'adresse de l'EIF. S'il te plaît. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Je me présente, je m'appelle Yar Ndiambouavounzi. Vous aurez compris que mon nom est assez compliqué pour Monsieur le modérateur, donc souvent on m'appelle Madame Yar et ça ne me dérange pas. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir pour la francophonie de vous accueillir aujourd'hui à ce forum ouvert sur l'action de notre organisation et des opérateurs de la francophonie dans le domaine de la transformation digitale. L'administrateur de l'OIF, M. Adam Awan, aurait souhaité personnellement participer à cette session, dont il a fortement soutenu la proposition et l'organisation. Mais son agenda de dernière heure l'a empêché de faire ce déplacement. Par ma voix, il vous transmet ses chaleureuses salutations et vous souhaite des échanges fructueux. Excellences, Mesdames et Messieurs, la francophonie dans son ensemble a très tôt pris conscience des enjeux des technologies de l'information et de la communication en lien avec son action en faveur des pays membres. En effet, dès le sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant en partage le français qui s'est déroulé à Cotonou en décembre 1995, donc il y a 23 ans, les technologies de l'information et de la communication ont été déjà au cœur des débats. Dans la déclaration de Cotonou, les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à, je cite, « promouvoir un espace francophone dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication ». Cet engagement s'est concrétisé par la tenue d'une conférence des ministres francophones chargés des inforoutes qui a eu lieu du 19 au 21 mai 1997. Cette conférence ministérielle a adopté un plan d'action qui a été le fruit de concertations régionales dans tout l'espace francophone et qui a pris en compte les résultats du forum Jeunesse et Inforoute qui a eu lieu à Chipagan, au Nouveau-Brunswick, au Canada, au début du mois de mai 1997. Le septième sommet de la francophonie qui était tenu à Hanoï du 14 au 16 novembre 1997 a ensuite demandé formellement aux opérateurs de tout faire pour mettre rapidement en œuvre le plan d'action adopté par la conférence des ministres francophones chargés des inforoutes.
Depuis lors, la francophonie dans son ensemble a mené plusieurs actions pour soutenir principalement les pays francophones en développement en matière d'appropriation des technologies d'information et de la communication. Elle s'est illustrée, par exemple, en organisant en septembre 2003 à Rabat, au Maroc, une conférence ministérielle de la francophonie sur la société de l'information. Cette conférence ministérielle a adopté une contribution de la francophonie au sommet mondial sur la société de l'information. En octobre 2012, notre organisation a franchi une nouvelle étape avec l'adoption par les chefs d'État et de gouvernement d'une stratégie de la francophonie numérique Horizon 2020 lors du sommet qui s'est tenu à Kinshasa. 6 ans après l'adoption de cette stratégie, nous savons tous que le paysage des technologies de l'information et de la communication s'est complètement transformé. Mieux, le développement en cours des technologies émergentes comme l'intelligence artificielle, la chaîne de blocs, les gigadonnées, annonce des bouleversements encore plus importants, lesquels nous placent directement au cœur de la 4e révolution industrielle de notre temps. Cette révolution se distingue par des convergences multiples et multiformes, dont celle plus marquante selon nous, celle qui est caractérisée par la fusion du triptyque physique, biologique et numérique. Il ressort des tendances observées qu'elle impacte et impactera encore et plus profondément nos sociétés et nos économies. Les différents programmes que nous nous proposons de vous présenter prennent en compte les enjeux et défis de cette 4e révolution industrielle. Cet exercice est effectué aussi bien par l'Organisation internationale de la francophonie que par les opérateurs de la francophonie que sont l'Agence universitaire de la francophonie AUF, l'Association internationale des maires francophones AIMF, l'Université Senghor d'Alexandrie, TV5 Monde et aussi l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est vous dire que tous les acteurs de la coopération francophone ont compris la nécessité d'intégrer le numérique dans leur programmation. Vu le temps limité que nous disposons, il serait difficile d'exposer tous les programmes qui traitent du numérique pour chacune de ces composantes. Nous avons voulu que les échanges de ce forum ouvert de l'IGF portent sur un échantillon représentatif de l'action de la francophonie en matière de transformation digitale. Le but de cet exercice, c'est non seulement faire connaître les actions que nous menons, mais aussi celles que nous envisageons de mener dans les années à venir pour accompagner la transformation numérique de nos pays. Notre souhait est également de recueillir vos remarques et suggestions, propositions susceptibles de nous aider à mieux orienter nos actions. Je voudrais donc par avance remercier les intervenants et tous les participants et souhaiter des échanges de bonne facture au service de la transformation numérique des pays francophones en développement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mia. Je crois que c'est... Yeah. Oh, yeah, sorry. Merci beaucoup. Je crois que Madame la directrice par intérim, n'est-ce pas, de la francophonie numérique a vraiment planté le décor. Il nous reste certainement maintenant à écouter justement les différents programmes en cours, un peu dans le détail. Nous avons le temps pour ça. Et donc, nous allons rapidement donner la parole à Emmanuel Adjovi pour encore nous présenter le programme, ou la programmation 2019-2020, n'est-ce pas, de l'EIF. So, Emmanuel, à toi la parole. Merci Pierre, je vais droit au but. Il s'agit de parler de l'OIF et la transformation numérique dans les pays francophones en développement. Et dans cette perspective, je vais aborder deux aspects particulièrement parce que au niveau de l'OIF, il y a un programme dédié
au numérique, donc exclusivement dédié au numérique. Et au niveau de l'OIF, il est question également du numérique dans plusieurs programmes. Donc je vais aborder également le numérique dans sa transversalité, donc dans des programmes qui ne sont pas exclusivement dédiés au numérique, mais une partie simplement des programmes. Il y a ma collègue Nelly Porta qui va aborder la partie concernant la langue française et la diversité culturelle. Je vais essayer d'aborder les autres aspects dans la mesure du possible, étant donné aussi le temps limité dont nous disposons. Et pour ce qui concerne le programme prochain, spécialement dédié ou exclusivement dédié à la transformation numérique, c'est un programme qui a essayé de prendre en compte les nouveaux enjeux et défis du numérique. Et cela a été abordé par Madame Yaa, la directrice. Vous connaissez les technologies émergentes, je n'insiste pas là-dessus. Ce programme est axé sur l'accompagnement des pays francophones en développement ciblé à s'approprier davantage les outils et pratiques ainsi que les dynamiques du numérique pour devenir vraiment une partie prenante de cette transformation en cours. Et ce programme comporte trois composantes. Et je vais essayer d'aborder les différentes composantes. Le premier volet porte sur le renforcement des capacités de la gouvernance des réseaux numériques et de la donnée. Le deuxième est axé sur l'accroissement des capacités des milieux professionnels, des pouvoirs publics et des communautés d'intérêt à créer et valoriser les biens communs numériques. Et le troisième volet porte sur l'amélioration des compétences à développer des écosystèmes favorables à l'appropriation des technologies émergentes. Et prochain, renforcer les capacités de gouvernance. À ce niveau, je voudrais insister que au niveau de l'OIF, il y a un effort, une évolution qui a été faite et qui a consisté à travailler, à mettre l'accent sur la gouvernance des données. Nous avons jusque-là travaillé sur la gouvernance des réseaux, mais nous avons pensé que avec les bouleversements qui s'annoncent et qui ont déjà commencé, il convient de prendre en compte la question de la donnée. Et c'est pour cela que nous avons pensé dans un premier temps à un soutien à l'émergence d'une industrie de la donnée. Cela a été évoqué rapidement dans un panel récent, mais il s'agit de travailler ici surtout à appuyer les pays à mettre en place des politiques publiques qui favorisent la production et la valorisation de la donnée. Le deuxième aspect au niveau de ce volet, c'est l'appui au développement de la cyberlégislation. Prochain. Le troisième aspect, c'est sur la gouvernance de l'Internet, la cybersécurité et le commerce électronique. Ça, c'est le troisième aspect et ça englobe même la question de la diplomatie numérique, qui devient une question prégnante. Je crois que ce forum l'a démontré à travers l'ouverture. On a vu que la question de la diplomatie numérique devient une question très forte, et la question de la cybersécurité, et aussi la question du commerce électronique. Ça, c'est la première composante. La deuxième composante prochaine porte sur les biens communs numériques. Et au niveau des biens communs numériques, nous envisageons travailler sur trois axes. D'abord, sur la question de renforcement de compétences pour valoriser ces biens communs numériques. Et à ce niveau, nous voulons travailler particulièrement sur la cartographie numérique collaborative et les ressources éducatives libres. Nous travaillons également sur la production et la mise à disposition d'outils pour les biens communs numériques et enfin sur la valorisation des initiatives et pratiques francophones pouvant potentiellement se poser en modèle. Les aspects juridiques des biens communs numériques, les aspects liés à la gouvernance des biens communs numériques, des aspects portant sur les modèles économiques des biens communs numériques. Prochain. Troisième composante de ce programme,
Il s'agit ici d'améliorer les compétences au niveau de nos pays, à développer des écosystèmes favorables à l'appropriation des technologies émergentes. Nous parlons des technologies émergentes qui commencent par impacter le paysage et qui vont davantage bouleverser le paysage. Il est important que les acteurs francophones créent un écosystème qui leur permette d'interagir sérieusement. Et c'est pour cela que nous avons 4 lignes d'action qui visent à contribuer. Il paraît que je dispose de 2 minutes, donc il faut que j'aille vite. Bon, donc il s'agit là de travailler à la maîtrise des technologies émergentes et aussi à la maîtrise des technologies financières qui font partie des technologies émergentes. Alors, je parlerai en 2 ou 3 minutes des autres programmes, très rapidement. Dans le domaine de l'économie, ce sont des aspects aussi qui relèvent de la même direction. Il y a un programme sur l'entrepreneuriat et ce programme vise aussi à valoriser le soutien à l'entrepreneuriat numérique et aussi à l'innovation. Et dans ce secteur, toujours, il y a l'accompagnement des transformations structurelles en matière d'environnement, de commerce et d'investissement. Et nous allons travailler sur la co-entreprise, le co-investissement dans le secteur du numérique et aussi faire en sorte que la question de la fiscalité numérique soit prise en compte. Au niveau de nos programmes de développement durable, nous avons plusieurs éléments qui sont en cours, c'est-à-dire la numérisation progressive de nos méthodes de travail, mais aussi la participation et à la promotion de l'économie verte à travers la valorisation de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans le secteur des TIC vertes. Je ne vais pas insister là-dessus, je parlerai de l'éducation. Au niveau de l'éducation, l'éducation et la formation technique et professionnelle, nous avons une politique qui s'incarne dans un programme qu'on appelle INNOV-IFEF et qui visera à mettre à disposition une infrastructure mutualisée et favoriser, par exemple, la mise en place de salles de création et d'innovation pédagogique, de salles et de tests, ainsi que d'applications mobiles pour accompagner tout cela. Suivant. Et enfin, je voudrais parler des affaires politiques et de la gouvernance démocratique. Il y a nos missions d'audit et d'appui à l'élaboration des fichiers électoraux font appel aux compétences des experts informaticiens, démographes et spécialistes des élections. Nous allons mettre en ligne à partir du 26 novembre prochain un cours en ligne en français sur l'éducation aux droits de l'homme destiné aux enseignants du primaire et du secondaire. Et j'ai même le lien là pour ceux qui sont intéressés. Et nous travaillons sur les médias numériques. Et il y a un prix de l'innovation dans les médias dans l'espace francophone. Et nous avons une plateforme d'accompagnement des jeunes en matière de médias numériques. Et cela est fait par deux directions, la direction de la francophonie économique et numérique et la direction des affaires démocratiques de l'OIF. Je vous remercie. Merci Emmanuel et mes excuses pour avoir, coupé tout ceci. Je sais que c'est très important ce que tu disais, mais on le sent aussi que la francophonie, l'OIF a une programmation assez dense et assez plus ou moins exhaustive. Et je crois que avec les questions et autres là, tu pourras donner des détails ou éventuellement pointer les gens vers les références et autres là. Merci beaucoup pour cela. Alors, nous allons maintenant écouter Mme Nelly Porta. Elle va nous parler un peu de l'action menée par l'OIF en matière, n'est-ce pas, de langue française et de la diversité culturelle. S'il vous plaît.
Merci, Monsieur le modérateur. Bonjour à tous et à toutes. Je représente effectivement ici la mission 1 de notre organisation qui concerne la langue française, la culture et les diversités, qu'elles soient linguistiques ou culturelles, et qui se décline, je dirais, vise deux objectifs stratégiques. Le premier qui concerne la valorisation de l'usage et de l'influence de la langue française dans un contexte de diversité linguistique et culturelle, et le second qui vise à renforcer l'ancrage de la culture dans les stratégies de développement et accroître l'engagement des populations dans la création artistique, culturelle et numérique, avec trois objectifs transversaux, dont un qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, et qui est celui de l'intégration du numérique. Donc cette mission se décline en quatre programmes, je me propose d'étudier avec vous comment la question du numérique est abordée dans différentes activités de la direction. Alors peut-être un petit rappel tout d'abord sur notre cadre d'intervention qui s'inscrit, qui est déterminé par plusieurs textes, que ce soit les textes de l'UNESCO, notamment la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et ses directives opérationnelles qui concernent l'environnement numérique, la stratégie de la francophonie numérique de l'OIF et, bien sûr, la déclaration d'Abidjan 2017 des ministres en charge de la culture. Quatre axes de réflexion sont privilégiés. Je vais simplement vous citer ceux qui nous intéressent là. La régulation mondiale des enjeux et défis culturels à l'ère du numérique et le besoin de favoriser les conditions de la réussite de tous les pays dans l'ère numérique, notamment par un soutien renforcé à la production de contenus attrayants en vue de mieux faire connaître la diversité de la création et patrimoine de la francophonie. Alors ici un rapide objectif, rappel donc de ces enjeux-là et des principaux objectifs visés par notre direction. Alors comment ? Comme vous le disait Emmanuel, nous avons deux axes d'intervention principaux au niveau de ma direction. Un qui concerne le renforcement des capacités et un autre au soutien d'initiatives pratiques que l'on peut potentiellement développer comme modèle et qui peuvent servir à démultiplier et à se développer dans d'autres contextes. Nous visons les communautés d'intérêt des pays en développement, je vous parlerai un peu plus tard de l'UOMOA par exemple, des milieux professionnels touchés par nos activités et bien entendu les pouvoirs publics. Nous ne travaillons pas de façon isolée, mais nous travaillons en étroite coopération avec nos collègues de la direction de la francophonie économique et numérique. Alors, quelques actions, je ne vais pas me lancer dans un tableau exhaustif de l'ensemble de nos actions. J'ai essayé de faire une sélection de quelques actions qui vous montrent un peu comment nous essayons de nous structurer. Alors, une action type qu'on peut intituler « Observer et analyser pour comprendre et agir ». Nous disposons de deux dispositifs d'observation, un observatoire sur la langue française dans le monde qui publie tous les quatre ans ce rapport que vous avez au tableau et dans lequel, bien entendu, nous essayons de recueillir et d'analyser des données et des éléments d'analyse relatifs aux outils numériques, notamment dans le prochain numéro qui vient de sortir. Vous avez toute une vision synthétique des usages du numérique dans l'enseignement du français langue étrangère. Cela nous permet d'identifier les pratiques les plus courantes, les supports et moyens de médiation les plus utilisés, les outils et ressources les plus appréciés, de collecter des données également sur l'équipement des établissements. Et tout ça est un outil important pour l'aide à la décision. Deuxième type d'action, c'est l'accompagnement à l'intégration du numérique dans les politiques culturelles, avec deux exemples que je voudrais vous donner.
Un qui concerne l'audiovisuel avec un projet capital numérique, je vais aller au plus court, hein, un projet capital numérique qui a permis notamment l'élaboration d'une directive visant à instaurer le dépôt légal audiovisuel dans la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et donc cela permet la mise en place d'un cadre juridique propice à la sauvegarde du patrimoine audiovisuel. Il y a beaucoup d'autres activités, mais je vais passer. Un deuxième exemple sur les politiques publiques qui concerne l'appui à la lecture publique. Nous disposons d'un réseau des centres de lecture et d'animation culturelle. L'introduction de tablettes tactiles dans ces centres nous a permis de développer l'accès aux ressources documentaires en équipant les centres de tablettes, elles-mêmes équipées de logiciels libres qui permettent d'avoir accès à des contenus numériques hors connexion Internet. Troisième axe d'intervention qu'on pourrait appeler le renforcement des compétences numériques de différents professionnels. Alors c'est par exemple les enseignants et auteurs de manuels dans le cadre d'une commande du ministère de l'éducation vietnamien qui a formulé le souhait de revoir les manuels d'enseignement du français dans le primaire et au niveau du collège. Nous avons accompagné le développement des compétences de ces formateurs pour développer de nouveaux manuels contextualisés avec leurs compléments numériques en ressources éducatives libres. Et cela a permis de remplacer des manuels obsolètes tout en modernisant l'apprentissage à travers l'usage du multimédia. Deuxième exemple dans le domaine du renforcement des compétences numériques de professionnels, les actions en faveur des éditeurs, où nous souhaitons favoriser le développement, le maintien et la vitalité de la diversité éditoriale à l'ère du numérique. Plusieurs défis se posent pour le secteur de l'édition indépendante du Sud. Je ne vais peut-être pas tous vous les rappeler, mais à l'image, vous aviez une illustration de ce qu'on pouvait faire sur la question des fontes et des fontes libres, notamment de façon à permettre la création de fontes libres adaptées à l'ensemble des langues, notamment celles les moins représentées et les moins utilisées sur Internet. Donc là, nous développons, grâce à nos partenaires, différentes actions de formation. Troisième exemple, pour les professionnels de la mode, sur des actions de formation qui concernent plus spécifiquement le renforcement des capacités communicatives et langagières. L'étude des besoins a fait apparaître la nécessité pour ces professionnels-là, pour le développement de leur entreprise, de communiquer sur les réseaux sociaux et donc de maîtriser les outils. Donc c'est un aspect que nous avons intégré là. Et dernier aspect, le dernier axe de nos interventions, c'est tout ce qui est le développement de biens communs et la promotion de contenus numériques originaux et contextualisés à travers différents outils, comme par exemple sur les questions d'intercompréhension. Un cours en ligne ouvert et massif destiné aux enseignants qui a connu un énorme succès avec 3 éditions. Et puis un jeu sérieux qui devrait sortir en toute fin d'année, toujours sur la question de l'intercompréhension. C'est le développement de certifications internationales que l'on peut passer sur Internet directement. Et puis, c'est bien sûr toute notre coopération avec notre opérateur TV5 Monde sur le développement d'outils de formation et d'auto-formation pour différents publics qui sont disponibles sur leur site. Voilà. J'ai essayé de vous dresser un rapide panorama et je serai bien entendu très attentive à vos remarques et suggestions. Merci. Merci beaucoup de la richesse, de la diversification dans les actions. Je m'excuse de vous avoir passé d'ordre de 2 minutes là, mais c'est normal. Si nous voulons laisser au moins 15 minutes, n'est-ce pas, à ce sympathique auditoire. Nous allons maintenant parler de la coopération, en tout cas des interventions au niveau de la francophonie
universitaire. Et pour cela, nous allons laisser la parole donc au responsable de la à Monsieur Abdelkader Siguet, voilà, je vais y arriver, qui va justement nous parler de ce que fait l'Agence Université de la Francophonie toujours dans le domaine du numérique, s'il vous plaît. Merci, excellent. Je vais mettre le micro, ça sera mieux. Bonjour. Donc, je vais vous parler d'une initiative qui a été initiée par l'OIF, le gouvernement français, en 2015 et qui maintenant connaît un développement important puisqu'elle est soutenue par l'ensemble des ministres francophones de l'enseignement supérieur et de la recherche de la francophonie. Mon propos, je vais le décomposer en trois petites parties. Ça tiendra, je pense, en 7 minutes. D'abord, on part d'un constat. Ce constat va amener une question. Et cette question va amener peut-être quelques pistes ou une piste de réponse. Et la réponse que je vais vous donner ici, on va essayer de donner une réponse concrète, c'est-à-dire quelque chose qui marche, qui tourne, que les gens utilisent. Que le numérique, certes, c'est de la virtualisation, mais si on ne fait que parler de ce que l'on peut faire, je pense que ce n'est pas tout à fait toujours mobilisateur. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, mais auparavant, juste la carte d'identité de l'AUF, parce que peut-être certains ne connaissent pas l'AUF, mais très rapidement, c'est la plus importante association d'universités au monde. Plus de 800 établissements, 880 actuellement. Donc c'est un réseau de 60 implantations physiques dans 40 pays. C'est-à-dire que l'AUF est vraiment présente sur le terrain auprès de nos établissements membres. Et son objectif, enfin disons sa mission, c'est de promouvoir l'enseignement supérieur et la recherche. Le contexte, on pourra y revenir après, vous l'avez peut-être connu sur d'autres documents. Et cela au moyen d'une solidarité active entre les établissements membres. Et comment nous allons travailler sur cette évolution ? Avant, s'il vous plaît, oui. Donc, en utilisant une stratégie qui a été adoptée en 2017, et qui vise donc à améliorer la qualité de la formation, de la recherche, l'employabilité des étudiants qui sont formés par le système éducatif, parce que ça, c'est un sujet majeur. Et enfin, le rapprochement entre l'université et le monde socio-économique, c'est que c'était pendant très longtemps un sujet tabou. Maintenant, ce n'est plus un sujet tabou. Et donc, le levier pour arriver à cela, c'est justement d'utiliser le numérique. Et donc là, je vais revenir au fond de mon propos, slide suivante, s'il vous plaît. Donc, le constat, c'est quoi ? C'est que nous constatons actuellement, depuis un certain temps, que le nombre d'étudiants dans le monde double tous les 12-15 ans. En 2017, il y avait 200 millions d'étudiants à travers le monde. Actuellement, en 2030, ils seront 400 millions. Au niveau de l'AUF, nous avons comptabilisé le nombre d'étudiants dans nos établissements membres. Ils sont plus de 15 millions. En 2030, ils seront 30 millions. Quand nous connaissons les difficultés que rencontre actuellement le système éducatif, on se demande comment on va faire pour faire face à cette aspiration légitime qui est de se former, d'obtenir des compétences pour aller trouver un travail. Donc c'est véritablement, c'est là le constat. Alors quelle est la question ? La question est la suivante, c'est comment passer à l'échelle ? Comment offrir à chaque étudiant justement un espace sur lequel il peut se former ? Eh bien, on ne peut pas multiplier par deux le nombre d'enseignants en 10-12 ans. On ne peut pas multiplier par deux le nombre d'universités. Aucun pays n'est capable de le faire. Alors, comment répondre à cette question ? Eh bien, une des pistes possibles, ce n'est pas la seule, mais il y en a beaucoup d'autres, c'est justement de s'appuyer sur le numérique et d'essayer de construire ce qu'on pourrait appeler une industrie de l'éducation. Et je dis le mot industrie, ce n'est pas du tout péjoratif. Quand je dis une industrie, ça veut dire qu'on va optimiser, on va essayer de rationaliser l'emploi des ressources dont nous disposons pour qu'elles soient utilisées au mieux. Et le numérique nous permet justement cet effet démultiplicateur. Slide suivante, s'il vous plaît. Et une des réponses que l'AUF a proposées à la demande, encore une fois, des gouvernements, des ministres francophones de l'enseignement supérieur de la francophonie, c'est de construire une bibliothèque numérique accessible à tous les étudiants de la francophonie avec un environnement francophone. Alors cette bibliothèque numérique, maintenant, n'est pas un projet, c'est une réalité, elle est utilisable par tous. Slide suivante, s'il vous plaît. Et donc, cette bibliothèque numérique,
contiennent déjà plusieurs centaines de milliers de ressources. Et l'engagement a été pris l'année dernière à Marrakech à l'occasion du sommet de l'initiative pour le développement du numérique dans l'espace universitaire francophone, d'atteindre au minimum le million. On n'aura aucun mal à atteindre le million de ressources disponibles à l'échelle de la francophonie. Tous les éditeurs veulent être diffusés via la B9, donc qui est la bibliothèque numérique de l'espace universitaire francophone, qui contient des ressources pédagogiques, c'est-à-dire des cours, des quiz, de tout ce qu'on peut imaginer nécessaire pour des étudiants pour se former. Également des ressources scientifiques, des ressources culturelles et quelque chose de tout à fait particulier, c'est que le référencement de tous les experts qui sont disponibles sur l'espace universitaire francophone de manière cartographiée, c'est-à-dire localisée, géolocalisée à travers le monde pour qu'on puisse les contacter, travailler avec eux, que sur les plateaux de télévision, qu'on puisse faire venir des experts de partout de la francophonie pour parler des sujets sur lesquels ils sont compétents et de ne pas simplement subir la contrainte, je dirais, de la localisation géographique qui... est le critère de sélection de ces experts. Enfin, je vais aller plus loin. Donc, compte tenu, on sait de quoi il s'agit. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, les fonctionnalités. Donc, il y a à l'intérieur de cette bibliothèque, donc, je disais, un réseau social qui permet aux étudiants d'interagir, de communiquer, de se décloisonner. On était à Ouagadougou la semaine dernière et le réflexe, enfin, le premier mot qui est sorti de la bouche d'un enseignant, on est désenclavé. Grâce à ces moyens justement de communication. Des systèmes intelligents, parler d'intelligence artificielle, de recommandations pour proposer véritablement des ressources pertinentes que l'étudiant ou que l'enseignant ne perde pas son temps à chercher des ressources. Et enfin, on parlait également du big data et de l'analyse de ces données pour pouvoir améliorer les services qui sont proposés aux étudiants. Slide suivante, s'il vous plaît. Vous avez quelques images ici, mais le plus simple, c'est d'aller sur la bibliothèque, c'est b9.auf.org, et vous verrez que c'est assez intuitif. On peut localiser jusqu'à aller à l'expert lui-même, par exemple, pour pouvoir... une minute, oui. Bien, donc, slide suivante. Je pense que le plus simple, c'est que vous suiviez une démonstration. Toutes les ressources sont accessibles actuellement, y compris les ressources privées des éditeurs privés. Et je vais terminer par une annonce qui est importante et qui peut peut-être intéresser certains d'entre vous, slide suivante s'il vous plaît, c'est que la prochaine réunion des ministres francophones de l'enseignement supérieur et de la recherche aura lieu à Bucarest en juin, comme c'est marqué ici, le 21 juin 2019. Mais auparavant, nous allons avoir deux événements importants. Le premier, c'est le 18 et le 19 juin, qui va réunir les usagers, c'est-à-dire les responsables du numérique, sur tout l'espace universitaire francophone, c'est-à-dire de nos établissements membres. Et puis, de l'autre côté, nous allons faire venir toutes les entreprises qui ont des solutions à proposer à ces usagers pour les faire rencontrer et faire de telle sorte que, je dirais, l'information et que les possibilités soient identifiées par les acteurs de la formation et de la recherche. Et enfin, le 20 juin, nous allons parler d'un sujet très, très, très sérieux aussi, c'est comment nous allons financer tout cela, parce qu'il ne s'agit pas de dire il n'y a qu'à Faucon, il faut aussi se dire mais comment nous allons faire face à ces dépenses, enfin, à la construction de tous ces éléments-là. Je vous remercie et donc à votre disposition si vous souhaitez plus d'éclaircissements sur ces choses-là. Merci beaucoup pour cette action qui est aussi différenciée. Vous avez parlé justement aussi de financement. Moi, c'est la question que j'aurais eu pour vous, parce que c'est à un moment donné très, très important. Nous y reviendrons. Alors, nous allons enfin écouter l'action au niveau des parlementaires, qui sont clés, vous le savez, discrets, mais c'est très important leur action. Donc, nous allons écouter Mme Mireille Eza. On dirait de ce que fait l'Assemblée parlementaire francophone au niveau du numérique. Merci. Merci. Je pense qu'on a entendu donc l'OIF, la voix de l'exécutif, l'université avec le collègue qui vient d'intervenir. Eh bien, je vais essayer d'abord de présenter l'APF, de dire ce qu'est l'APF, parce que beaucoup de gens en entendent parler, mais ne savent peut-être pas ce qu'est l'APF, ce que fait l'APF et à quoi sert l'APF. C'est donc, comme cela vient d'être dit, 84 parlements de statuts différents, membres, associés, observateurs, qui se réunissent ponctuellement pour décider, en tant que francophones, des orientations à prendre, notamment pour ce qui nous concerne en matière de numérique.
Et l'APF s'est dotée, un petit peu en écho à ce qu'a fait l'OIF en 2012, d'un plan de la présidence et a fait en sorte que les quatre commissions qui la composent puissent réfléchir pendant 2 années avec l'accord et l'apport surtout d'experts qui ont été entendus, auditionnés dans les différents domaines d'expertise sur lesquels je reviendrai, avant de décliner ce que nous pourrions faire ou ce que nous faisons en matière de numérique. Tel que cela a été envisagé, l'APF a 5 commissions. Nous avons la commission politique, la commission coopération et développement, le réseau des femmes parlementaires, la commission de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles, et enfin la commission des affaires parlementaires. Et chaque commission s'est dotée d'un grand chapeau à laquelle elle a adjoint le terme numérique. Donc, pour la commission des affaires parlementaires, c'est la démocratie numérique. Et dans la démocratie numérique, elle traite du e-gouvernement, de la législation, de la transparence des sites. La commission politique, elle traite de la gouvernance du numérique, avec des questions comme la cybersécurité, les droits et libertés, la gouvernance multilatérale. On parle beaucoup des GAFA, mais en francophonie, comment on peut également s'assurer que cet espace-là puisse aussi être contrôlé, sécurisé et suivi. Au niveau de la commission coopération et développement, c'est l'accès au numérique, la fracture numérique. On a suffisamment parlé de l'écart entre le Nord et le Sud. 81% des ménages connectés au Nord contre à peine 40% au Sud, et c'est une moyenne, parce qu'entre les zones rurales et les zones urbaines, on sait bien que l'écart est encore plus grand. Les technologies, on parle beaucoup, les technologies et vertes, on en parle beaucoup, éco-responsables, comment les articuler autour de la question du numérique, et la diffusion du numérique à travers la commission, et là on en vient à la langue, puisque notre vecteur de communication, c'est évidemment ce canal-là. Mais tout ça est en chantier. Aujourd'hui, ce qui existe, c'est ce qu'on appelle le programme Nouria, qui est un programme qui a été créé il y a déjà 15 ans à Berne, et qui, lui, appuie les parlements dans ce domaine-là avec plusieurs axes d'intervention. D'abord, tout ce qui est mécanique, outils, équipement, on va dire. Ensuite, tout ce qui est logiciel. Et enfin, tout ce qui est formation, accompagnement. Et nous avons, à cet égard, d'ailleurs, dans certains pays, un partenariat très actif avec l'AUF qui réalise pour le compte de l'APF les formations des techniciens, des assemblées que nous appuyons. Une fois que cela est dit, on assiste également à une difficulté qu'il me semble utile de souligner ici, c'est que les niveaux d'absorption ou de maîtrise des concepts ou de l'application des concepts peut être très variable. Donc notre défi, c'est de nous ajuster constamment. On n'importe pas juste les concepts, on fait en sorte qu'ils soient praticables dans les pays où nous intervenons, parce qu'on a remarqué qu'on peut, on a constaté que parfois il y a une floraison de concepts et d'outils qui sont déclinés, mais que l'appropriation n'est pas forcément à la mesure ou à la hauteur des attentes. Donc voilà ce que nous faisons. L'APF a, en juillet 2018, mis en place un programme qu'elle va appeler APF numérique, ou numérique APF, d'ailleurs, pour être étymologiquement correct. Le contenu de ce programme reste à définir. Est-ce que ça va être une continuation de Nouria avec plus de diversification, la priorité étant pour nous d'outiller les parlementaires, de leur permettre de comprendre les enjeux des lois qu'ils votent, et leur impact, parce que la fonction des parlementaires, c'est voter des lois, mais c'est également contrôler l'action du gouvernement. Mais quel est l'impact des lois qu'ils vont voter dans ce domaine-là, justement, de la cybersécurité, de la traçabilité, et en même temps de la liberté, parce que c'est ce paradoxe constant qu'il faut assurer, liberté, sécurité, traçabilité.
Donc, nous travaillons à outiller d'une part les parlementaires, à les former, à les accompagner pour qu'ils produisent des lois et qu'ils sensibilisent également les populations aux enjeux du numérique. Telle est notre première mission en tant qu'APF. Et la seconde, c'est donc d'accompagner également ceux qui travaillent pour eux, les experts, les administrateurs des parlements. Voilà, je pense avoir juste terminé en remerciant l'OIF, parce que chacun de nous travaille dans son tunnel tout au long de l'année, même si nous sommes voisins géographiquement, nous n'avons pas souvent l'occasion d'échanger comme ça sur ce que fait chacun dans ce domaine spécifique. Je voudrais vraiment remercier l'OIF d'avoir eu cette initiative. Voilà. Merci beaucoup, madame. Je crois que là aussi, il y a de la diversification, même s'il y a beaucoup de chantiers dont vous avez parlé, mais je crois que tout ceci est tout à fait important. Bien, écoutez, j'ai pu nous sauver une dizaine de minutes. Donc, nous allons vous laisser la parole, en fait, pour, disons, éventuellement, peut-être petits commentaires, mais surtout si vous avez des questions de clarification de ce thème. Bien sûr, j'aurais une grande question pour tout le monde ici. On n'a pas beaucoup parlé, n'est-ce pas, du numérique, en fait, en tant qu'industrie, en tant qu'économie. On a parlé de GAFA. Comment est-ce que vous voulez justement suivre davantage les GAFA si, n'est-ce pas, en regard, vous n'avez pas aussi une plateforme ou des plateformes? En fait, c'est une grande question, je crois, mais on n'avait pas beaucoup de temps pour ça. Voilà, donc la parole est à vous, si vous voulez la prendre, vous vous présentez rapidement et vous êtes succinct. Comme ça, on va quand même essayer de profiter des 10 à 15 minutes avant qu'on ne nous sorte de cette salle-ci. Bien, donc à ma gauche ici, voilà, nous allons essayer de prendre. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Michel Reveron du groupe Orange. J'avais une question très, très ponctuelle. Nous avons eu, en marge du sommet d'Erevan, une très bonne réunion de haut niveau, je crois, on peut dire, sur les questions numériques que Monsieur Adjovi avait organisées, avec beaucoup d'idées pour la suite. Qu'est-ce qu'on en retient aujourd'hui et comment on va capitaliser sur tout ça? Merci. Ok, merci. Je voudrais d'abord remercier les intervenants pour cette présentation, en tout cas très intéressante. Et poser deux questions. Vous pouvez vous présenter, même si on vous connaît. Je suis désolé. Bon. Pierre Ouédraogo, président de l'ONG, Initiative TIC et Citoyenneté, Burkina Faso. Je voudrais donc poser vous deux questions. Premièrement, c'est relatif à la préparation d'une conférence qui, je pense, n'a pas eu lieu, qui a un rapport avec la souveraineté numérique et qui, me semble-t-il, au regard des échanges au niveau de l'IGF, est plus que d'actualité. Qu'en est-il dans le cadre de votre future programmation? Deuxièmement, je voulais ici parler au nom de tous ceux qui sont là et qui sont ressortissants des pays du G5 Sahel. Nous sommes dans une région actuellement où la langue française est menacée tous les jours par les fermetures d'écoles, les assassinats d'instituteurs, etc. Donc c'est la langue française qui est menacée à sa base parce que les jeunes ne peuvent plus se former à cette langue. Et je voudrais donc proposer, enfin suggérer, si c'est possible dans la programmation à venir, de considérer une priorité sur le G5 Sahel, notamment par la poursuite des actions de Francopol, pour permettre que les efforts au niveau du renseignement et tout contribuent à renforcer la langue française dans cette région. Le G5 Sahel, je le rappelle, est constitué de pays francophones, dans lesquels l'objectif manifeste des terroristes est de supprimer la langue française.
Je vous remercie. Merci Pierre pour avoir été bref. Je te connais. On continue, s'il vous plaît. D'accord. Sur ma gauche, il n'y a pas de questions, c'est ça? Est-ce qui? Le voisin. Ah, d'accord. Oui. Excusez-moi, je n'ai pas vu. Merci. Donc, moi, c'est M. Sanoum Serge Roland du Burkina Faso. Je suis le directeur des services informatiques à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, donc plutôt régulateur. Alors, justement, puisqu'on discutait tout à l'heure de développement des technologies donc d'information électronique, en ce qui concerne notamment la survenue donc, des réseaux sociaux tels que les GAFA dont on parle actuellement. Alors, nous, depuis un certain temps en régulation, on s'interroge justement sur cette problématique-là de régulation du numérique et de l'émergence justement de ces types donc, d'applications. Vous savez que tout cela est très, très lié et qu'il s'agit en fait donc, des questions aujourd'hui d'actualité telles que le big data, cloud computing et tout ça qui apporte aussi d'autres innovations, en l'occurrence des questions donc, de l'intelligence artificielle et tout cela. Alors la question qu'on se pose, c'est quelle régulation adaptée donc, à tout ceci. Et je me pose la question et j'aimerais la partager également avec les organisations qui sont présentes ici, en particulier donc l'OIF, l'AUF. Nous avons noté, entre autres, l'effort qui a été consenti par l'AUF, notamment par la mise à disposition de ce portail-là, qui va permettre à toute la communauté francophone, je pense, donc, de profiter d'un contenu partagé et pour s'enrichir notamment et puis se donner des orientations et des perspectives d'avenir dans ce monde-là qui est en substance un monde très dynamique, aussi donc un monde assez complexe, je dirais. Ah, donc, ma question aujourd'hui, c'est quelle régulation, quel type de régulation? Puisqu'en matière de régulation, aucun organisme ne saurait à lui seul prétendre apporter sa touche en matière donc, de régulation. On parle plutôt d'effets, donc d'impact en fait en matière donc, de régulation, de contenant ou de contenu. Alors, merci, ma question, je crois que c'est très important, voilà. Merci. Cet aspect que vous soulevez. Mm-hmm. Merci beaucoup. On va essayer de donner la parole à le plus grand nombre de personnes possible, s'il vous plaît. Donc, on va être concis, on se donne juste une minute et puis voilà. Alors, on fait le tour. Oui, s'il vous plaît. Vous vous présentez rapidement et puis vous posez votre question à Madagascar. OK, allez-y. Oui, Azaron Boussalam de Madagascar. Non, j'ai une question simple. J'ai vu l'initiative sur les fintech. Comme je suis dans le domaine des finances, j'aimerais savoir quel est son avancement, parce que au niveau de notre pays, c'est déjà, on est déjà bien là-dedans, quoi. Donc, faut pas que ce soit trop tard. Merci. Merci, Monsieur le modérateur. J'aimerais rebondir sur l'observation de Monsieur le représentant de la société Orange. Oui, vous présenter rapidement, s'il vous plaît. Blaise Azitemina, conseiller du ministre de TIC de la République démocratique du Congo. Donc ici, partie prenante dans ce modèle multipartite du gouvernement. Donc j'aimerais rebondir sur, en moins d'une minute, sur l'observation de Monsieur d'Orange. Effectivement, c'est avec beaucoup d'admiration que j'ai apprécié le programme du monsieur qui a parlé de l'enseignement supérieur au sein de la francophonie, où il y a déjà une démarche ou une initiative au niveau des ministres donc, du réseau francophone en charge de l'enseignement supérieur. Et sur cela, j'aimerais dire que lors des travaux d'Erevan, quelque chose qui avait été un concept, une idée, a pris forme à Erevan en marge du 17e sommet de chef d'État, donc le réseau des ministres francophones en charge du numérique. Et c'est comme certains le disent, c'est vrai, nous nous retrouvons souvent pour des réunions, mais il faudrait à un moment passer des résolutions à la pratique. Alors, j'aimerais bien s'il y a quelqu'un dans le panel qui aimerait nous en parler plus, parce que ne l'oublions pas, tout ce que nous faisons est d'abord impulsé par des mesures ou par des dispositions des politiques publiques. Et ce sont ces ministres-là, en fait, ces réseaux qui prennent ces politiques publiques. Donc, j'aimerais dire, c'est un réseau qui, d'ailleurs, signalons-le, est une initiative africaine, avait été lancé par un pays africain, notamment le Bénin. Ce n'est pas un club fermé, c'est un club ouvert, mais dont on aimerait bien que les gens puissent merci, rejoindre. Merci bien. Ils sont à la porte, ils veulent nous faire sortir. Nous allons essayer en 3 minutes de faire ce qu'on peut et les questions pourront être peut-être envoyées à nos panélistes. Donc, très rapidement, si vous pouvez, vraiment, parce que là, on ne pourra pas. Et ils sont à la porte. Très bien, allez-y.
Je veux négocier juste 3 minutes et puis. Destiny Chouali, allez-y. Du Québec, donc président d'ISOC Québec et professeur à l'Université du Québec à Montréal. Juste par rapport à Emmanuel Adjovi et au programme qui nous a été présenté, est-ce qu'il y aura des appels à projets auxquels les gens de la société civile seront éligibles? Et puis, revenir sur la question de la donnée, la production de statistiques pour observer les tendances sur le numérique. Je sais qu'il y a un bon travail qui est fait sur le rapport sur l'état des lieux de la francophonie numérique, mais c'est vraiment des données macro. Est-ce que vous ne pensez pas mettre en place, peut-être financer peut-être des études, plus pour observer des dynamiques micro au niveau de nos écosystèmes qui attirent autant d'investisseurs étrangers? Je vais m'arrêter là-dessus pour laisser peut-être d'autres la chance. Merci. En deux mots, allez-y. Oui. Philippe Batrou, administrateur du chapitre français de l'Internet Society, en charge des relations internationales et francophones. Juste pour signaler l'initiative qui a eu lieu hier de relance de la mise en réseau des chapitres francophones, et notre vision rencontre beaucoup des thèmes développés notamment par l'UIF, et nous sommes prêts à travailler ensemble. Merci. Madame, ensuite Madame. Très bien, très rapidement. Sorry. Hein. Je suis professeur Nasser Hadji du Maroc et je suis ancien ministre des Télécoms, des Postes et des TIC au Maroc. Très bien. Ancien parlementaire également. J'ai 2 questions très brèves. La première concerne le patrimoine numérique. Nous savons que dans nos pays, je parle de l'Afrique du Nord, mais ceci évidemment est valable aussi pour tous les pays de francophonie, il y a beaucoup de documents, beaucoup d'éléments. Par exemple, au Maroc, nous avons la plus vieille université du monde, l'université Al-Qaraouine. Mais ces documents ne sont pas toujours accessibles. Et je pense, bon, ça, il y a des documents qui sont en arabe, mais il y en a qui sont en français, etc. Je pense que l'initiative serait intéressante de pouvoir avoir des moyens de numériser tout un ensemble de documents pour qu'ils soient disponible. Oui. Très bien. La deuxième question, très brève, c'est la coopération entre d'autres langues, c'est-à-dire par exemple entre le français et l'arabe, puisque là il y a des choses importantes dans ce domaine aussi. Merci beaucoup. Et enfin, allez-y, madame. Bonjour. Moi, c'est Kossi Avesinou, je suis du Bénin et je suis le vice-président du Conseil. Vous pouvez aller très vite parce qu'il nous faut au moins prendre la question d'une dame. Okay. Faites vite, s'il vous plaît. Parce que les autres, ils vont nous chasser, là. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Bouchra Nasr Ousselat. Je suis une tech entrepreneur. Je suis actif dans le côté de la société civile. Je viens du Tchad, en fait. Bon, j'ai une question par rapport aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est que le constat que je fais, c'est que... dans les pays francophones, surtout l'histoire des réseaux sociaux et autres, nos chefs des États, ils ont pris ça comme un sujet très politique. Quand il y a un mouvement quelque part, ils censurent les réseaux sociaux. Est-ce que la francophonie n'a pas pensé sur ce genre de sujet pour mettre en place une règle qui va définir exactement, si y a un mouvement, il ne faut pas que les réseaux sociaux soient censurés ou bien que ça soit censuré de manière pas trop stricte, ou bien définir un bref règlement qui va donner Merci, les différents règles. Très important. Merci beaucoup. Alors, je m'excuse, je dois arrêter. J'ai juste une minute. Hein. Ce n'est pas suffisant pour que nos panélistes éventuellement réagissent à des questions qui sont... C'est très important, mais il faut qu'on trouve un autre créneau pour que vous ayez des réponses à vous. Donc, une minute, c'est juste pour mes panélistes ici. Non, alors, je voudrais dire rapidement que... Je m'excuse. Hein. Effectivement, il y a un certain nombre de débats qui ont été menés à Erevan. Et ces débats sont en train d'être... il y a un travail qui se fait pour l'opérationnalisation de cela, parce qu'il faut déjà commencer par le réseau des ministres qu'il faut mettre en œuvre. Et quand on opérationnalise, les actions vont suivre derrière tout cela. Et la question de l'industrie numérique de façon globale, c'est qu'il faut créer un écosystème pour avoir l'industrie numérique.
Si vous n'avez pas les connaissances nécessaires, vous ne pouvez pas le faire. Et cet écosystème se traduit par la mise en place, par exemple, des outils liés aux politiques de la donnée. Lorsque vous avez une bonne politique de la donnée, vous pouvez par la suite, et si vous formez aussi le capital humain, vous pouvez par la suite régler la question de l'industrie du numérique. Et je crois que le G7 Sahel peut trouver aussi son compte dans ce schéma où il y a la question de la cybersécurité qui est prise en charge. Je vous remercie. FinTech, on en parlera, c'est un projet. Juste une urgence parce qu'ils rentrent, parce qu'ils vont, ils vont le faire sortir. Juste une information. La B9, la Bibliothèque numérique de l'espace universitaire francophone, répond exactement à votre question. Et je voudrais juste faire une annonce, puisqu'on parle de choses concrètes. Il y a un appel à manifestation d'intérêt dans le cadre de l'ID9. Et tous les projets que vous pouvez avoir, dont vous pouvez rêver ou imaginer, eh bien, pourraient être accueillis pour être par la suite obtenir des financements dans le cadre du fonds d'investissement de l'initiative. Merci. Merci beaucoup et merci de votre participation. Mais j'espère que vous pourrez agir. C'est pas évident. Mais comment... On n'a pas demandé une... Ils ont imposé une...